Bonjour Marie-Ève. Bonjour Chloé. Marie-Ève, tu es procureure aux poursuites criminelles et pénales, responsable du PAGSM à Saint-Jérôme. Donc, je suis vraiment contente qu'on puisse en parler aujourd'hui. En fait, j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce que c'est exactement le PAGSM. Oui, effectivement, je suis responsable de ce merveilleux programme-là avec deux de mes collègues, Maître Ménard et Maître Lefebvre aussi. C'est le PAGSM, dans le fond, pour expliquer au départ qu'est-ce que c'est les lettres PAGSM. Ça signifie Programme d'accompagnement justice et santé mentale. Donc, c'est un projet pilote qui a débuté ici à la Cour du Québec du district de Terrebonne pour la première fois dans une Cour du Québec en juin 2015. Donc, c'est un programme qui faisait suite au fait là, que plusieurs acteurs du milieu de la justice criminelle se rendaient compte que des individus aux prises avec une problématique de santé mentale se retrouvaient dans le système de justice criminelle. Mais le système, si on veut, régulier, ne leur apportait pas là, le soutien ou l'encadrement requis pour qu'ils puissent passer à travers ce système de justice-là. Peut-être que tu pourrais nous décrire les grands objectifs là, derrière le programme. Les objectifs du PAGSM, entre autres, ça va être de réduire la récidive au niveau des infractions criminelles qui sont commises par les gens qui ont une problématique de santé mentale. Donc, en travaillant avec le réseau de la santé et en faisant en sorte de travailler sur les facteurs qui ont amené ces gens-là à commettre des infractions, on va travailler sur un meilleur encadrement et un meilleur suivi dans la collectivité ou dans la communauté une fois que le dossier criminel va être terminé. Et ça va faire en sorte, du moins on l'espère, que ces gens-là ne vont pas repasser là, par la suite devant les tribunaux criminels. On va également avoir comme objectif d'éviter la détention. Ultimement, là, à la fin du processus judiciaire, parce qu'on se rend compte que ces gens-là, c'est pas du tout le genre de peine qui va les aider. Au contraire, c'est beaucoup plus de travailler sur un encadrement puis sur des outils pour les aider au niveau de leur rétablissement là, dans la société. Donc, ce sont deux des objectifs et finalement, le grand objectif qui chapeaute tout ça, parce qu'en tant que procureur aux poursuites criminelles et pénales, on veut aussi s'assurer de la sécurité du public. Donc, c'est l'objectif aussi qu'on va avoir en tête en tant que procureur tout au long des procédures, tout au long de ce programme. C'est un programme qui existe dans le cadre du système de justice criminelle. Donc, ça prend il faut qu'il y ait une infraction criminelle qui a été commise à la base et qu'il y ait aussi un procureur là, qui ait porté des accusations. Donc, le départ, finalement, si on veut, du programme PAGSM, c'est un dossier judiciarisé dans le district judiciaire de Terrebonne. Par la suite, il va y avoir une référence qui va être faite au programme. Cette référence-là peut venir de plusieurs endroits, de plusieurs partenaires. La référence ne fait pas toutefois en sorte que la personne est automatiquement intégrée au programme parce que, faut le mentionner, je pense que c'est très important, c'est un programme qui est sur une base volontaire. Donc, malgré le fait que l'un de ces intervenants peut avoir référé l'individu au programme, si lui-même ne veut pas y participer, ne veut pas travailler là, sur des objectifs de rétablissement, on ne pourra pas l'intégrer au programme. Une fois la référence faite, une fois l'individu volontaire, il va être rencontré à ce moment-là par un intervenant du milieu de la santé, qui est souvent un travailleur social ou un criminologue. Et ensemble, c'est ça la particularité de ce programme-là, c'est qu'ils vont construire des objectifs et un plan d'action individualisé. Donc, à chaque personne, ils vont construire ensemble ces objectifs-là pour s'assurer là d'atteindre un objectif de rétablissement. Mais le délai moyen dans le programme, c'est à peu près actuellement, selon nos statistiques, là, je dirais 10 mois, où il va y avoir plusieurs audiences à la cour, où on va faire des suivis pour s'assurer que la personne chemine bien. Et quand, de façon commune, on en vient à la conclusion que le programme est complété avec succès, bien là, il va y avoir une finalité. À ce moment-là, il y a deux, je dirais qu'il y a deux grandes façons de terminer le dossier, soit par un arrêt des procédures, si le contexte le permet, ou il peut y avoir aussi une sentence, donc une finalité autre, mais qui va être évidemment une sentence qui ne sera pas privative de liberté. Et ça, c'est vraiment chaque cas qui est un cas d'espèce. C'est vraiment en fonction là, de la nature de l'infraction, du fait aussi d'avoir à protéger peut-être une victime au dossier.
Donc, faut dire aussi que les victimes sont informées du fait que les gens participent à ce programme-là. On les informe et on les consulte également à la fin du programme pour voir s'il y a des conditions ou des choses qui doivent être mises en place pour assurer leur sécurité après la finalisation du programme. Est-ce qu'on peut dire que le PAGE-SM, c'est un programme à vocation, disons, sociale ou en tout cas à dimension humaine? Est-ce que c'est comme ça que tu le qualifierais? Oui, c'est effectivement une bonne façon de le voir. On garde notre chapeau de procureur, c'est sûr, tout au long du programme, mais c'est sûr qu'il y a un volet un petit peu plus humain, un petit peu plus social là, qui est présent. C'est un programme qui a tellement des beaux résultats et un beau succès. On a la chance ici d'avoir été un peu le premier, le projet pilote en 2015, mais je sais qu'il y en a partout. Je sais qu'il y a une couleur différente aussi là, dans chacun des districts, partout à travers la province. Mais c'est vraiment un programme qui a fait ses preuves. On en est, dans le fond, je réalisais que ça fait 5 ans maintenant qu'on fait ce programme-là et nos statistiques, nos résultats sont toujours aussi positifs. Je pense que oui, c'est un filet de sécurité pour la société en général. Puis, ça apporte tellement des outils merveilleux, je pense, aux gens qui font partie de ce programme-là. La récidive est diminuée, les statistiques le démontrent. Puis, je pense que c'est un programme qui doit rester, qui doit poursuivre sa voie. Bien, merci beaucoup, Marie-Ève, pour ton temps. C'était super intéressant. Merci. Ça me fait plaisir. Merci à toi, Chloé.